Bonjour à tout et frottis. Je regarde l'heure sur l'ordinateur. Ah non, ça va plus là. Il est 6h20. Il est 6h20 du matin. Voilà. Ici, c'est la Belgique. Nous sommes au mois d'avril, bien sûr. Et ici, en Belgique, eh bien, on dit un proverbe, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc, il fait quand même assez frisqué. Parce que je sais que certains de l'île de la Réunion me suivent. Alors, je suppose que l'île de Réunion, il doit faire très très bon. Alors, j'aimerais tout simplement vous montrer un petit reportage que j'ai fait de la Belgique. La Belgique, ben, je suppose que vous connaissez la situation géographique, est juste au-dessus de la France. C'est le nord. Et il fait pas moins 40, comme certains pourraient le penser, comme on l'a vu dans un film. Alors, une petite partie de la Belgique. C'est la Wallonie, encore plus petit, la Wallonie-Picarde, et dans la Wallonie-Picarde, un petit village, Stambruge, du moins une partie du village, parce que il est quand même assez grand. C'est sur le long d'un chemin de halage. Alors je vous invite à découvrir ce petit reportage, et puis bien, vous me dites ce que vous en pensez. Ciao, à tutti frutti! Nous voilà dans un petit village de la Wallonie-Picarde, le village de Stambruge. Vous pouvez remarquer là devant l'église. Canal ici que vous voyez ici devant, il va jusque Platon, il va jusque Hatte dans l'autre sens et beaucoup plus loin encore. Au loin, vous avez un ancien moulin. Une des écluses, une parmi tant d'autres.
officier représentatif de la Wallonie Picarde. Un bon pour les amoureux. Et enfin, nous voilà proche de notre écluse. Voici une maison typique de la région, faite avec des pierres, je pense, de basalte. Voilà. Et nous terminons cette petite visite guidée. De nouveau retour par la vue de cette écluse avec ce bel arbre en fleurs au loin. Il faut encore finir, c'est tout simplement pour vous montrer ce très beau jardin, très bien fait, encore avec ces pierres de basalte. Voilà. Et voici ici un moulin en réfection. Toujours à Stambruge. Stop. Et voilà. Et après l'effort, le réconfort. Voilà, j'avais dit que c'était fini, oui, mais j'attends avec impatience le coucher du soleil sur ce petit village de Stambruge en Wallonie-Picarde. Voilà. En attendant, je vais vous montrer quelques petites fleurs de ce beau jardin. De très belles jonquilles. Et après, on fera quelques clichés du coucher de soleil. Dans le calme, on termine par un lointain coucher de soleil. Dommage que je n'ai pas de zoom. Et bien voilà, j'espère que ce petit reportage ou cette petite escapade, je dirais, vous a plu le long du chemin de halage. Vous pouvez remarquer que le village de Stambruge est un village très calme et vous avez entendu
les chants des oiseaux. Alors, je vous remercie. Je remercie également ceux qui sont abonnés, qui me suivent, les amis aussi qui ont vu ou qui verront cette vidéo. Je remercie également ceux de l'île de la Réunion qui me suivent aussi. C'est vrai que comparativement à la Belgique, l'île de la Réunion est une île très montagneuse. C'est une île que j'aime beaucoup. J'ai vu des photos, des images. C'est superbement magnifique, je dirais. Je sais que quelqu'un me suit sur ma toute petite chaîne et j'irai voir aussi ce que vous avez posté comme, comme reportage. J'ai déjà vu un de vos reportages. C'est superbe. Alors voilà, j'ai d'autres projets en vue. Un projet est déjà terminé. C'est un clip vidéo avec images de synthèse. Et un autre en passe de se terminer également. Et celui-ci sera dédicacé pour quelqu'un que je connais et que j'apprécie beaucoup. Alors, en attendant, je vous salue et je vous dis tout simplement ceci. Eh bien, comme d'habitude, vous connaissez le geste. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma toute petite chaîne et à la prochaine!